professeur dans le domaine de l'agroforesterie. Quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance de pouvoir étudier en Haïti, au Mali, au Burkina Faso, en France. Et ça m'a beaucoup apporté. Et peut-être que mon implication à l'international aujourd'hui vient un peu de ce désir de redonner une partie de ce que j'ai reçu. Je pense qu'il y a vraiment un besoin extrêmement important qui est exprimé par les étudiants pour une internationalisation de la formation. Les étudiants demandent d'être liés au reste du monde et acquérir une expérience à l'international, c'est pour eux une excellente façon de se découvrir eux-mêmes, d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Dans le cadre de mon travail, une des activités qui me satisfait le plus, c'est certainement le travail accompli à la chaire en développement international, où on fait toutes sortes d'activités de recherche, d'enseignement, mais aussi de diffusion d'informations, d'échanges à propos de toutes sortes de problématiques dans le domaine du développement international. Donc, ça permet aux étudiants d'être en lien avec des intervenants du milieu, avec des chercheurs, mais aussi d'autres étudiants. Donc, il y a un projet qui est mené actuellement par la Faculté des sciences d'agriculture et de l'alimentation qui concerne la formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali. C'est un projet qui va permettre, entre autres, d'accueillir actuellement une trentaine d'enseignants qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation au Mali pour se perfectionner à travers des maîtrises et des doctorats. Une des choses que j'aimerais beaucoup que les étudiants apprennent à travers l'internationalisation de la formation et que je pense que plusieurs étudiants apprennent, c'est qu'on peut donner autrement ce qu'on a reçu. Quand on donne par charité, c'est celui qui donne qui peut avoir la tête haute. Mais quand on donne par justice, celui qui reçoit peut à son tour lever la tête. C'est vraiment un beau cadeau. Ça nous permet d'envisager les 10, 20, 30, 40 années qui viennent avec beaucoup d'enthousiasme.